Et en fait, c'est juste impressionnant comment il fait, genre, passe son bras derrière le dos, tout ça, en se rapprochant, de toute façon à distance, et du coup, on va essayer de faire ça. Yo, bonjour à tous, c'est Kajabat, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où je vais tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui, je suis de retour à Beauvais pour la première fois depuis presque deux mois, parce qu'après le discours que Manu m'a tenu, que j'avais pas filmé. En gros, il m'avait dit que ça servait à rien qu'il me donne des leçons, tout ça, qu'il me coach parce que je faisais pas d'efforts. J'ai réfléchi et du coup, j'ai pris un peu de recul. Et là, on est reparti pour une leçon avec Manu. Tiens, aujourd'hui j'ai vu sur Instagram, il y a Yulen Pereira qui a fait un enchaînement qui m'a... En fait, j'aime bien regarder les leçons de quelqu'un d'autre. Et genre, en fait, il fait un truc assez bizarre qui est ça. 80 tout rond, c'est la moyenne, dit dans ton film. Et en fait, c'est juste impressionnant comment il fait, genre, passe son bras derrière le dos, tout ça, en se rapprochant, de toute façon à distance, et du coup, on va essayer de faire ça. Hyper stylé, pas si dur que ça à faire, j'arrive à le faire plutôt aisément, ce qui s'explique parce que ça fait longtemps que je fais des cibles, mais sympa, je vais essayer de le faire la leçon contre Manu, va-t-il pris, il me fait insulter si je le fais, mais ça va être marrant. Ouh, il a fait un deuxième trou là. Ouais. Ah, elle a planté son sa pointe dans le sol, le bédouille. Et donc c'est ainsi que s'achève cet entraînement d'escrime par un échec. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog.